allô, 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 allô. ملي القصبالو الو الو واش حالك يا حومة بابالو الو واش راهي بحداك القبة واش روح الوليد فلان واش راهي بحداك القبة واش روح الوليد فلان قولي الوراني في غربة من وحش مشعلك نيران من وحش مشعلك نيران وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هتف ليك العنوان كلم للوطن الحبيب 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 كلم للوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان راهل وحش تكر عليا من بيلفور كبير الشان راهل وحش تكر عليا من بيلفور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية وحباب ناسي والجيران حبابي وناسي الجيران نسيم كلامي merci de nous avoir accueilli ici à Marseille. On sait que vous travaillez beaucoup ces jours-ci et juste après une séance d'entraînement. Merci encore une fois de nous accorder cet entretien. Non, merci. Merci à vous d'être venu. C'est toujours un plaisir d'accueillir des frères algériens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va commencer d'abord par la situation de la CNK Damourou. On sait que vous terminez une saison très très difficile, mais là, c'était les vacances, un peu le ramadan avec les amis au sud de la France. Parlez-nous un peu de tout cela. Non, le ramadan est important. Musulmans, après voilà, avec la famille, les amis, on passe de bons moments. Là, on est au 27e jour de ramadan, et bon, c'est vrai qu'avec la préparation physique, c'est un petit peu dur, j'avoue. C'est fatigant, mais alhamdoulilah, tout va bien. Mais si l'on connaît, vous êtes un gros caractère, quelqu'un qui bosse beaucoup. Cette option de choisir une préparation physique spéciale sous la houlette d'un préparateur physique, c'est-à-dire qui n'est pas celui de votre club, qu'est-ce qui vous pousse à travailler en solo un petit peu comme ça, au lieu d'être au repos, quoi? Non, tout simplement que ben voilà, je sors de quelques semaines de repos. Je sais que voilà, je suis en pleine préparation physique, mais il y a le ramadan et je peux pas casser le ramadan parce que je suis en pleine préparation physique, ou pas faire la préparation physique parce que je suis pendant le mois du ramadan. Voilà, alhamdoulilah, tout va bien, c'est juste une grosse fatigue et après ça passe. Voilà, simplement. Faut sourire. Comme tout à l'heure, est-ce que. Faut garder le sourire. C'est vrai que c'est la foi joue un rôle important, c'est vrai, mais avoir ce corps et ce caractère de votre préparateur physique spécial parler que vous êtes quelqu'un qui aime travailler, qui aime bosser et qui vraiment qui soutient bien la charge. D'où ça provient? Est-ce que de votre carrière un peu que vous allez nous retracer un petit peu depuis Sochaux, ou c'est un mental que vous êtes forgé depuis tout jeune? Non, je pense que c'est le mental. Je pense que tout footballeur professionnel et tout athlète professionnel est un compétiteur, a le mental nécessaire pour accumuler cette charge d'entraînement. Après voilà, depuis tout petit, c'est vrai que j'ai toujours été dur au mal. C'est-à-dire qu'entre guillemets, j'aime souffrir. Celui qui n'aime pas souffrir, je pense pas qu'il pourrait faire ces entraînements-là et avoir une charge d'entraînement aussi forte. Après voilà, comme j'ai dit, moi j'aime, je suis dur au mal et je m'en plains pas, au contraire, ça me permet de me repousser, de repousser mes limites et toujours aller plus haut. Je pense que je suis un compétiteur et les compétiteurs, voilà, comme tout compétiteur qui se respecte, on ne baisse pas les bras devant l'effort. Donc voilà, à la Real Sociedad, vous étiez un joueur sur qui les deux entraîneurs, Philippe Montagnier et celui d'avant, comptaient beaucoup sur vous. Après, il y a eu quelques difficultés. Est-ce
que ces difficultés ne sont pas engendrées par le fait que vous avez opté pour la sélection nationale, donc vous êtes tout le temps sollicité par les stages des Verts et tout? Est-ce que cela a été peut-être un inconvénient pour vous, ou bien c'était juste parce que il y avait beaucoup de concurrence? Non, je pense que c'est un tout. Après, je peux pas dire que c'est la faute de la Real ou le fait que le club s'est mal comporté avec moi. Moi, j'ai fait le choix depuis tout le temps d'aller en sélection pour l'Algérie. J'avoue que bon voilà, il y a eu des gens qui ont essayé de me conseiller, de me dissuader par rapport à la sélection algérienne, mais je pense que c'est le cœur qui parle. Et moi, j'avais fait mon choix et je ne pouvais pas revenir derrière par rapport à moi, par rapport à la famille, à mes amis. La fierté de porter le maillot algérien, c'est quelque chose. Après, sans la Real, je n'aurais pas pu être en sélection, ça ne faut pas se leurrer, je ne me le cache pas. J'ai eu des bons et des mauvais moments à la Real Sociedad, c'est là où j'ai connu les grands moments, la Ligue des Champions, jouer contre le Barça, le Real, de grandes équipes. Mais surtout, j'ai aussi connu de très bons moments avec la sélection. Les Coupes d'Afrique, la Coupe du Monde, chaque rassemblement, c'est un plaisir d'être en sélection. Et donc je peux pas dire que voilà, il y a eu un problème quelconque. Moi, j'ai fait mon choix, je l'ai assumé. Et j'ai toujours eu dans mon choix de carrière le fait de la sélection. Pour être appelé, pour être convoqué, avoir du temps de jeu et ça continuera. La Coupe d'Afrique 2013, vous avez fait une bonne canne, malgré le parcours, on va dire, l'échec, parce que vous êtes sorti au premier tour. Vous étiez vraiment un joueur sur qui on espérait beaucoup, c'est-à-dire voir un joueur comme Kadamourou évoluer à gauche, à droite, dans l'axe, et même demi-défensif, dans les beaucoup de solutions envahies. Mais en 2014, en Coupe du Monde au Brésil, après avoir fait quelques matchs d'éliminatoire, on vous retrouve sur le banc, et pratiquement sans aucune chance de jouer. Comment avez-vous vécu cela? Non, déjà pour revenir à la CAN, vous dites qu'on en attendait beaucoup de moi, j'attendais beaucoup de moi aussi, et j'ai pas été à la hauteur tout simplement. Je me cache pas, je me suis jamais caché, j'ai toujours assumé le bon et le mauvais. Et c'est vrai qu'à la CAN, j'étais moi-même déçu de ma propre CAN. Et après de la CAN en général, collectivement, on n'a pas eu de bons résultats. Exactement. Surtout parce qu'après, dans le contenu, on a fait de bons matchs. Mais le football, c'est pas une science exacte. On a été éliminé, on a été déçu, très déçu. Mm-hmm. Moi, surtout aussi du décès de mon grand-père, j'avais pas les idées. Voilà, je pense que je me suis mis une pression supplémentaire par rapport à ça. Mais voilà, c'est le make-up, c'est le destin. C'était comme ça, c'était écrit. Et je me prends pas la tête. Il fallait passer à autre chose. Et bon, par rapport à la Coupe du Monde, j'ai très mal vécu le fait de ne pas jouer, je n'ai pas voulu le cacher non plus. Je ne connais pas un joueur qui est content d'être sur le banc. Après voilà, c'était le choix du sélectionneur national, Vidal Eudic, à ce moment précis de la compétition. Je pense que j'avais fait mes matchs contre la Slovénie, contre la Roumanie. Ou même moi, j'espérais peut-être. Inconsciemment, on voit qu'on est bon, qu'on fait de bons matchs, qu'on fait de bonnes prestations. On espère toujours avoir quelques minutes ou avoir un match durant la compétition. Et c'est vrai que j'étais frustré d'être le seul joueur à pas jouer une minute. C'était le cas aussi de plusieurs de vos fans, des fans des Verts, qui n'ont pas compris le grand match que vous avez sorti face au match amical avant la Coupe du Monde. Et la Slovénie et la Roumanie. Ouais. Voilà, peut-être. On disait que le coach avait des joueurs sur qui il comptait un peu plus que les autres. Je parle de Beccalen, je parle de Mekini. Après, c'est sûr, je pense que si le coach a fait ce choix-là, je pense qu'il comptait plus sur eux que sur moi à ce moment-là de la compétition, et c'est vraiment pas contre eux. Voilà, le coach, il a fait son choix et faut le respecter, j'ai pas d'autre. Surtout que c'est lui qui a été derrière votre arrivée en sélection. Ouais, c'est pour ça, je peux pas dire. Je peux pas le critiquer dans le sens où. Voilà, c'est lui qui est venu me chercher à la Real et qui est venu me voir et qui m'a pris, qui m'a donné ma première convocation contre la Gambie au mois de février. Et ça restera l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière, cette convocation en Gambie avec la sélection. Quelle que soit la frustration, vous comprenez quand même, quoique on ne comprend toujours pas. Toujours pas, et le football, c'est pas une science exacte. Donc après, au final, il ne faut même pas se prendre la tête. Moi, j'ai gardé un très bon souvenir de cette compétition parce que j'ai eu la chance d'y participer. Je pense au moment où Adeline Guedjura part de la concentration à Genève. Je pense que j'aurais pas aimé être à sa place. Là, je pense que ça aurait eu être
ça aurait eu un gros coup derrière la tête. J'aurais reçu un gros coup derrière la tête dans le sens où tu fais la préparation et au dernier moment, on t'enlève. Comment vous avez vécu ça dans le groupe? Le départ d'Adèle, franchement. D'après nos informations, c'était vraiment une grosse solidarité. Une grosse solidarité, mais ça aurait été Adèle comme ça aurait été un autre, comme je pense que ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre. Je pense à SD Ndoha qui est pas venu non plus, donc je l'oublie pas. J'oublie pas les frères qui sont partis avant cette compétition, juste avant cette compétition. Et je pense que là, c'était vraiment difficile parce que tu vis avec le groupe, tu es concentré. Et on te dit tu dois rentrer chez toi. Je pense que là vraiment, eux ils ont fait vraiment preuve de mental. Parce que là c'est difficile. Comment tu arrives à comprendre, nous on ne le comprend toujours pas. Les Algériens mondialistes ont du mal à trouver de bons clubs. Quand je parle de bons clubs, je ne parle pas spécialement des 15 meilleurs clubs européens, je parle des clubs qui ont d'autres moyens. Comment les Algériens, comme vous, comme Yassine, comme Raïs notamment, n'arrive pas à se hisser dans un grand club? Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'est une question que je ne peux pas répondre. Là, je ne suis pas dans la tête des clubs, je ne suis pas dans la tête des dirigeants de clubs. Donc au final, je me dis que dans la sélection, on a Fouzi qui joue à Naples. Déjà. Inch'Allah, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être dans un plus grand club, Inch'Allah. Yassine à Porto, Sofiane à Valence. Après voilà, les autres, on est en première division, deuxième division, Bentaleb à Tottenham. Je pense que déjà, être dans des clubs comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir un très bon niveau. Et Inch'Allah que ces joueurs-là peuvent aller plus haut. Moi, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais après, répondre à la question pourquoi les clubs ne font pas appel à nos joueurs, je peux pas répondre tout simplement, mais en tout cas je suis content de voir. Sincèrement, Raïs. Raïs il sort de la Coupe du Monde, il y a eu aussi Ochoa, il y a eu aussi d'autres gardiens qui ont fait il y a eu de grands joueurs qui ont fait une grande Coupe du Monde, à part James Rodriguez qui a signé au Real Madrid parce qu'il a terminé, il a terminé Pichichi de la compétition. Après, c'est vrai que Raïs, on connaît sa valeur. On sait que c'est un très bon gardien et il a fait une très très belle Coupe du Monde. Il nous a sorti des arrêts venus d'une autre planète. Il a signé à Philadelphie. Je pense que lui aussi, je pense que ça a été son choix aussi, entre guillemets. Il faut le respecter aussi. On parle à un spécialiste de la Liga, on peut dire ça, parce que vous avez joué beaucoup en Espagne. Des joueurs comme Fawzi Roulem, Valence, Fegouli s'est bien imposé là-bas. Goulam, est-ce qu'en allant au Real Madrid, est-ce que vous croyez qu'il a l'étoffe et le potentiel de réussir dans un aussi grand club? Mais moi je dis pourquoi on ne penserait pas qu'il aurait l'étoffe d'être au Real Madrid? Je pense que si Benitez lui a fait confiance, il a fait confiance à Naples, il a fait jouer autant de matchs dans un championnat aussi serré, aussi compliqué que l'Italie, à Naples, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a les qualités pour. On connaît ses qualités offensivement, son pied gauche, il est le main à la place du pied gauche. Après voilà, c'est le Real Madrid, on sait très bien, mais pourquoi il n'aurait pas... Moi je vois des joueurs comme... Yara Mendy qui est avec moi, la Real Sociedad, qui a signé au Real Madrid, Lucas le Brésilien, des joueurs qui signent au Real Madrid, Contra aussi. Mm-hmm. Je pense que voilà, il ne faut pas avoir peur et dire que Fawzi n'a pas l'étoffe de signer dans un grand club, au contraire, comme Yassine, comme Sofiane, comme d'autres joueurs. Pourquoi pas? Après on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, donc... Si l'occasion se présente, Inch'Allah se présentera pour lui. Je pense qu'il ne réfléchira pas deux fois. C'est clair. Donc, et pour l'Algérie, ça sera que mieux. Un joueur au Real Madrid, c'est glorifiant. Vous étiez parti des quatre meilleures équipes en Espagne. Vous visiez ça comment? Quatrième de la Liga. Et je pense que cette année-là, vous avez pris au moins 20-25 matchs en championnat. On a eu ce qui a fait notre force. C'est ce que Philippe Montagné a su faire avec nous. C'est nous donner un style de jeu bien précis et le turnover, comme on dit. Faire tourner à des moments clés de la saison, des gens qui n'étaient pas en forme, des gens qui étaient fatigués, des gens qui étaient blessés. Que tout le monde soit concentré dans le même objectif. Et je pense que ça a fait notre force. Je pense que la deuxième partie de saison, on a été invaincus. Et c'est ce qui a fait notre force. Après, voilà, moi j'ai eu la chance de jouer un match décisif contre Séville,
qui était déterminant pour la qualification pour la Ligue des Champions, le match contre Lyon, Ligue des Champions, là-bas à Gerland, et c'est que des moments. On aime ces moments. De ce grand match que vous avez sorti face à Lyon. Non, ce match-là, je pense qu'on était tous sur un petit nuage. Que ce soit moi ou le gardien en passant par Antoine ou tous les joueurs, on était sur un petit nuage, on a vraiment pris le match par le bon bout. Et alhamdoulilah, on a gagné et on a fait ce qu'il fallait faire au match aller, au match retour. Yacine a joué le Barça, de Messi, le Real, de Ronaldo aussi. On vous demande comment vous vivez l'avant-match. Parce que vous êtes annoncé, voilà Yacine, c'est toi qui joues face à Ronaldo aujourd'hui. Yacine, c'est toi qui joues face à Messi. Non, franchement, je vais pas vous mentir. C'est non, mais vraiment, je vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un qui se met pas du tout la pression avant les matchs. Même, je pense que si vous me verrez avant les matchs me préparer, vous direz voilà. Mais non, c'est ma façon de me préparer. Je prends le. En plus, contre le Barça, contre le Real, je pense qu'on a aucune pression à avoir. C'est-à-dire que si tu perds 5-0, c'est normal. T'en prends 5, c'était le Barça, c'était le Real. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est, voilà, c'est des grosses équipes où tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Donc je pense que c'est vraiment des matchs où ça va très très vite, c'est très difficile, ça ne faut pas se leurrer. Mais on peut essayer de profiter. Et j'avoue que contre le Barça et contre le Real, mais plus contre le Barça, on a fait de bons résultats, où on a gagné, on a fait des matchs nuls, on a perdu aussi. Mais plus contre le Barça que contre le Real Madrid, on a vraiment pris des gros scores. Si on vous demande... Votre avis sur ce que disent les gens, ils disent que la Liga, c'est le meilleur championnat européen. Est-ce que vous conviendrez ça? Franchement, moi, c'est toujours un championnat qui m'a plu, que j'ai aimé. Je regardais le Barça quand j'étais plus jeune, le Overmars, Frank de Boer, les... Reisiger, ouais. C'était le Barça. C'était le Barça qui me faisait rêver. Après, il y a eu l'épopée Ronaldinho, ouais. Rivaldo. Deco, tous ces grands joueurs où voilà, tu regardais des matchs et c'était facile, on dirait, le football pour eux. Et la Liga, ça m'a toujours. Donc, un fan du Barça, Yacine ? Ouais, fan du Barça, du beau jeu. Vraiment, pour moi, un footballeur, ça fait pour jouer au football. Ouais. Donc, fan du beau jeu, ouais. Ton agent ne sera pas content, lui, c'est Real Madrid, je pense. Donc, Ouais, c'est pas sûr, le meilleur club espagnol au jour d'aujourd'hui, c'est le Barça. D'accord. Et si on parle un peu de ton passage à la Real Sociedad, tu as dit que j'ai connu des moments bons et moins bons et peut-être mauvais. Ici, à la Real Sociedad, j'avais vécu une extraordinaire saison avec Philippe Montagné, mais juste après, les blessures ne vous ont pas épargné. Non, j'ai eu une saison, ouais, j'avoue que la première saison, Philippe m'a fait énormément confiance. J'ai joué plus de 20 matchs. C'était ma première année, tout le monde pensait que j'allais en jouer 3 ou 5, pas plus. Et moi, j'ai pas lâché, j'ai travaillé, j'ai fait mon boulot. Et c'est vrai que Philippe, ça, je l'aime bien parce que voilà, il essaye d'être juste avec tout le monde. Et c'est pas quelqu'un qui est rancunier. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout avec lui. C'est vrai que des fois, on a eu des discussions assez fortes dans son bureau. Mais c'est ce que je veux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut parler avec lui en toute sincérité, tranquillité, et dire ce qu'on a à dire, et dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas pour autant qu'il va être rancunier, pas vous faire jouer, ou pas vous convoquer, ou quoi que ce soit. Et de ce côté-là, je pense qu'on a une très bonne entente. Et voilà, c'est grâce à lui. Je pense que voilà, j'oublie pas les gens qui m'ont fait confiance. Il m'a fait confiance contre le Barça à 2-2 et il m'a fait jouer milieu droit. Je crois qu'il y a très peu de coachs, même je pense aucun coach à part lui, qui aurait. Même moi je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Si on parlait du nouvel entraîneur de la sélection, Christian Gourcuff, il vous faisait confiance, il vous appelait régulièrement. Est-ce que le fait d'avoir commis cette erreur face à la Tunisie vous a joué d'abord un mauvais tour? Est-ce que vous pouvez en vouloir au coach qui ne vous fait plus appel, sachant que vous avez eu une saison très très difficile? Non, je pense que plus l'erreur, je l'ai faite, je l'assume complètement. Mais qui ne fait pas d'erreur? C'est ça ma question. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en sélection ou même dans un club quelconque, ouais. j'en fais, et malheureusement j'en ferai. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais je pense que le coach ne m'a pas sanctionné ou ne me convoque pas par rapport à cette erreur-là. C'est pas ça, je pense que... Vous étiez bien parti pour discuter la cale, Non, j'étais bien parti surtout pour la regarder à la télé.
Et voilà, et Saïd s'est blessé. D'accord. Il a fait appel à moi. Après, comme j'ai dit, moi, je ne pourrais jamais refuser une sélection. Il m'a appelé et je suis allé. Voilà, j'étais heureux. On a entendu dire que vous avez eu, c'était vraiment un gros sacrifice, parce que c'est à partir de là que les problèmes ont commencé un petit peu avec votre ancien club. Pas la Real, mais avec Osasuna, je pense. Oui, Osasuna ne voulait pas forcément que je parte. On était dans une situation où le club voulait que je reste pour jouer. Et moi, dès le début, j'ai posé carte sur table, j'ai dit que la sélection, c'était la priorité. Et que voilà, qu'une sélection, on ne peut pas la refuser, tout simplement. C'est pour ça que vous avez quitté la Real avant le Mondial. Et c'est pour ça que j'ai quitté la Real avant le Mondial, parce que je voyais que les choix du coach ne me convenaient pas. J'avais pas une concurrence saine pour moi. J'en ai parlé avec lui, on a été clair. Et j'ai dit, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Et Vaïd était clair, il fallait du temps de jeu, un minimum de temps de jeu pour être convoqué à cette Coupe du Monde, et c'est normal. C'est pour ça que j'ai préféré faire le choix de partir et jouer à Majorque. Et jouer à Majorque pour être convoqué pour cette Coupe du Monde. C'est un événement que tous les joueurs du monde veulent participer. D'accord. Et moi donc. Ce groupe d'Algérie, tout le monde dit que c'est une famille. Non, vraiment. Yacine était un peu l'ami de tout le monde, vous chambrez tout le monde, vous chambre. Ouais, non, moi je suis comme ça, on est tout le monde. C'est pas que moi, c'est-à-dire que moi c'est vrai, j'aime bien rigoler, chambrer, je suis comme ça, c'est ma nature, tranquille. Mais je pense que on est tout le monde de pareil, tout le monde se cherche, se pique entre guillemets, mais c'est bon enfant. Vous allez me dire, j'avais hâte de revenir. Mais bien sûr, ça c'est une évidence, c'est une certitude. Mais voilà, comme j'ai dit, là, contre les Seychelles, je n'étais pas convoqué, mais j'étais le premier supporter à regarder le match et à soutenir l'équipe. Ouais. Ça c'est clair. Et voilà, moi, je suis heureux de revoir un très bon ami à moi qui est Red Boudbouze. Le revoir en sélection, ça m'a mis du baume au cœur, parce que c'est un bon gars et c'est un très très beau joueur. C'est un très très bon joueur, je le connais depuis j'ai 14 ans. Et je suis très heureux pour lui, parce qu'il a retrouvé la sélection. Et je sais qu'il y est attaché aussi, tout comme moi. Et c'est que du bonheur de le voir jouer avec le maillot de la sélection. Les places sont très très chères. Bien sûr, elles sont très très chères. Dans tous les postes. Mais c'est normal. Il y a eu un choix de Fekir. Goulam, Majid Bougara, d'autres disent que, écoutez, après, il ne faut pas lui en vouloir. On a des très très bons joueurs en sélection. Vraiment. L'Algérie ne cessera pas de fonctionner sans lui. Nabil Fekir a fait son choix, il faut le respecter. Ouais. Et voilà, après, je pense que nous, avec les joueurs qu'on a offensivement, on ne peut pas se plaindre. Non, mais tu vois, Yacine Brahimi, voilà. Riyad Mahrez, Riyad Boudbouze, voilà. Sofiane Feghouli. Voilà, vous voulez quoi de plus? On dit qu'il ne faut pas regretter ce choix. Ah, mais vraiment pas. Après, voilà, je pense que lui a fait son choix, il faut le respecter aussi, tout simplement. Voilà. Mais chacun fait des choix, nous, on a fait le nôtre. Exactement. Et on ne regrette pas du tout, au contraire. Je pense qu'on a une grosse génération, une grande génération de grands joueurs. Et Inch'Allah, ça continue comme ça. Yacine, vraiment. On vous laisse rompre le jeûne là. Parce que c'est l'heure. Oui, c'est l'heure, ouais. Ah, bismillah. C'est sûr. Oui. غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هاتف لي العنوان قل لي الوطن الحبيب 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 قل لي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان دونك ياسين صحتك صح فطورك يسلمك. Bon, voilà, mon frère, on voudrait maintenant aborder le sujet de votre situation vis-à-vis de la Real Sociedad. On sait que maintenant, l'équipe, c'est-à-dire, vous a laissé l'opportunité d'aller voir ailleurs. Justement, vous avez choisi peut-être d'aller voir ailleurs pour gagner du temps de jeu et que cette situation ne peut pas vous convenir vis-à-vis de la sélection. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est évident. Après, voilà, je pense que...
faut savoir tourner la page, prendre du recul sur sa situation et prendre les bonnes décisions. Après voilà, je suis avec Mourad, on en discute. C'est lui qui s'occupe du dossier, donc. Donc vous l'êtes pas, vous inquiétez pas pour ça. Non, moi je m'inquiète pas. Croyez en vos qualités. Quoi. Oui, voilà, exactement. Après, s'il y a quelqu'un qui peut vous parler de ça, c'est Mourad. Hein. Oui, on en parlera après. C'est lui qui est sur le dossier, c'est lui mon agent, donc. Très bien. Donc c'est lui qui sait. Je pense qu'il sait beaucoup plus de choses que moi, donc c'est lui qui pourra en parler. Vous êtes concentré sur votre préparation. Vraiment. Sur votre mental. C'est le plus important pour moi, reprendre la forme physique et être prêt si voilà, dans le cas échéant où il y a un club qui fait appel à mes services, qui voilà, moi faut que je sois prêt. C'est mon boulot, c'est voilà, faut que je sois prêt et c'est ce que je vais faire. Donc Mourad Ibri, l'agent de Yacine Kadamourou, on aimerait avoir de plus amples informations concernant sa situation avec la Real Sociedad et d'éventuels contacts pour cet été, Inch'Allah. Salam alaikum, la situation est claire, c'est un joueur qui appartenait à la Real Sociedad. On a eu l'accord de principe aujourd'hui sur sa libération. Donc Yacine actuellement est un joueur libre. Voilà, il a pas mal d'opportunités en France, à l'étranger, dans les pays du Golfe. Maintenant on se prend le temps de la réflexion, le mercato est encore long. C'est un joueur de qualité qui a fait la Champions League, qui était dans le groupe de la Coupe du Monde, qui a fait une Coupe d'Afrique. Voilà, qui a un poste de défenseur central qui est assez demandé au jour d'aujourd'hui dans pas mal de clubs. Donc voilà, on attend, on fera le choix au moment voulu. La période est encore longue, le mercato se finit dans pas mal de temps. Vous parlez des choix, est-ce que vous avez des contacts, des touches avec quelques clubs? Oui, il y a au jour d'aujourd'hui, il y a 4-5 clubs qui sont intéressés par le profil. Voilà, c'est notamment des clubs de première division française. Il y a des clubs qui jouent aussi la Ligue des Champions, qui sont un peu plus loin que la France notamment, mais voilà, on a pas mal d'opportunités qui sont ouvertes à Yacine. On se prend le temps de la réflexion, voilà, mais il y a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à lui et on verra au moment voulu. On a encore un peu le temps de la réflexion, c'est la simple bonne raison pourquoi Yacine ne se presse pas. Voilà. Mais il préfère prendre le temps et prendre le bon choix parce que son objectif principal, c'est de revenir en équipe nationale. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux clubs de Ligue 1? Alors, en Ligue 1, il y a pas mal de clubs qui ont demandé l'intérêt, notamment Gazélec d'Ajaccio, Angers, Montpellier le suit aussi depuis très longtemps. Voilà, mais le choix au jour d'aujourd'hui n'a pas été fait. On attendra avant de choisir. Vous permettez de lui poser la question, un retour en Ligue 1? Je vous en prie. Il est bien possible, Yacine, vous allez... Ça vous réjouit, quoi, de revenir en Ligue 1, peut-être? Non, évidemment, c'est... Pourquoi pas, mm-hmm. qui suis-je pour dire non à la Ligue 1? Non, moi c'est surtout l'aspect sportif, s'il y a un challenge sportif. D'accord. Intéressant, où voilà, le matin tu te lèves et t'es motivé par ce mm-hmm. projet, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, Yacine, on va passer à quelques questions, à Madanès, comme on dit. Et d'abord, Yacine, comment vous passez votre journée, mis à part le travail, bien sûr, le travail que vous faites en particulier? Comment il passe ici sa journée du Ramadan? Non, c'est très simple. C'est très simple. J'ai fait une journée normale, tout en sans boire, sans manger, tout simplement. C'est pas parce que c'est le Ramadan que j'essaie de dormir toute la journée. J'essaie d'être actif et alhamdoulilah, le Ramadan, il passe très très bien, franchement. Franchement, j'ai pas à me plaindre sur ça. Je fais mes journées normalement, quand arrive l'heure du ftor, on mange tous ensemble en famille. Et voilà, après, tout simplement. Yacine, est-ce que votre... Je vois pas de... C'est pas compliqué dans le sens où quand t'as, voilà, quand t'as vraiment la foi, tu le fais avec le cœur et ça se passe très bien, vraiment. Alhamdoulilah, donc votre humeur change-t-elle en plein mois de Ramadan ou... Elle a pas changé, au contraire, c'est un mois de Ramadan où... Voilà, faut être tranquille, faut pas forcément avoir de la haine en soi ou être énervé, faut relativiser et voilà, c'est mon Ramadan, c'est important. C'est ce qu'on nous demande de faire. À quel âge avez-vous commencé à jeûner? Tout petit d'abord, hein? Pas le mois complet. Non, le mois complet, non, le petit c'est difficile. Je vois Mathis le petit.
c'est compliqué pour lui, c'est normal, il est petit, mais après voilà, faut petit à petit, quand voilà, faut le faire, c'est important. C'est la seule chose que nous demande Allah, le Ramadan, et je pense qu'il faut le faire et c'est important. Et est-ce que, c'est-à-dire, vous préférez passer votre temps en famille, au moins plein, quand l'occasion se présente, parce qu'on sait que vous êtes un joueur professionnel, vous préférez le passer en famille, entre amis, le soir, comment vous faites Oui, entre amis, en famille, tout simplement. Voilà, on va faire le photo en famille, on va rester ensemble tranquillement. Mm-hmm. Et voilà, tout simplement, on va. Est-ce qu'il y a des soirées entre Algériens comme ça ou... Ouais, ben regarde, oui. Il n'y a que ça même, il n'y a que des Algériens. Donc, ouais. Au final, on est entre nous. Et c'est vrai que voilà, rester avec des gens qui font le Ramadan, c'est important et ça aide surtout. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce mois de Ramadan? Ce qui me manque le plus. Après on en parlait tout à l'heure, franchement, le fait de ne pas boire et de ne pas manger, c'est ça me manque pas. Après, c'est vrai que là j'en ai souffert parce que avec l'entraînement que j'ai fait, j'ai craché mes poumons. Mais voilà, après, je pense qu'il n'y a rien qui me manque vraiment. Et votre plat préféré? Ah, couscous. Couscous, toujours. Ah ouais, les briques. Les briques, ouais, couscous, les briques. Ça pendant le mot drama. Sherba. Sherba, ouais. Non, ça c'est traditionnel. C'est des plats où je mangerai tous les jours. Yassine se permet quelques fritures, quelques sucreries le soir, comme ça en plein mois de Ramadan. Bien sûr, il me permet. C'est même recommandé, on va dire. Pendant le mois de Ramadan, on peut tous permettre au niveau. Faut, voilà. Quand on a faim, quand c'est l'heure de manger, il faut manger. Point. Vous êtes plutôt Kalbelouz ou de la bière? Calvelouche. Thé ou café? Thé. Thé, d'accord. Vous prenez du Elben ou du lait caillé ou... Non, Elben, ça fait des années que j'en prends plus. D'accord. J'en ai tellement bu que voilà, ça. Voilà, j'ai passé. L'Elben, j'en bois plus. Mm-hmm. Mais non, après, voilà, de l'eau. De l'eau. Qu'est-ce que vous conseillez aux conducteurs algériens en plein mois de Ramadan? Aux conducteurs algériens? Ouais. Waouh! Franchement, qu'est-ce que je pourrais leur... Patience. Ouais, vraiment, la patience, c'est que voilà, on est au 27e jour du Ramadan. Vendredi, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Ou samedi. Donc voilà, on a fait le plus dur, entre guillemets. Non, ils sont connus qu'ils excellent un peu de vitesse. Un conseil, peut-être. Un conseil? C'est pas en allant plus vite que tu vas arriver plus tôt à la maison. Ok, merci. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à conseiller ou bien à dire aux gens qui jettent leur poubelle du balcon ou de la fenêtre? Parce que ça se voit parfois chez nous, c'est non, voilà, après je pense que... Voilà, nous aussi, on a la chance d'avoir de bonnes installations. Après, c'est vrai que si les gens font ça... Moi, je critique pas, je ne fais pas critiquer les gens qui font ça ou leur donner de conseils, ça serait déplacé de ma part, mais après, voilà, je pense que pour le bien de tout le monde, voilà, exactement. Mm-hmm. Pour le bien de tout le monde, c'est le mieux de les jeter aux endroits appropriés. D'accord, mais est-ce que Yassine, s'il a des prières à faire en ce mois de Ramadan, ou bien s'il demande, c'est en vous donnant la parole de vous adresser aux téléspectateurs d'Al-Hadaf, qu'est-ce que vous... Quelle prière voudriez-vous qu'il prie en ce mois de Ramadan? Franchement, il y en a. Ben, ça serait. Moi, celle que je fais, c'est Al-Kafirun, mm-hmm, et Al-Hikas. C'est les prières. Al-Hikas, c'est les deux. Attendez, là, c'est autre chose. Là, c'est les deux sourates que vous c'est avez. C'est les deux sourates que j'ai. Ouais, ben, c'est les sourates que je connais. Non, c'est-à-dire, qu'aimeriez-vous que les lecteurs du buteur et les téléspectateurs de l'ADF, pour quels gens voulez-vous qu'ils prient en ce mois de Ramadan? Est-ce que je leur souhaite? C'est-à-dire les gens défavorisés? Oui, en fait, les gens qui sont dans le besoin, évidemment, voilà. On ne les oublie pas, c'est important. L'aumône dans la religion, c'est important. Et il ne faut pas oublier les gens qui en ont besoin, la famille, les amis. Voilà. Le plus important, je pense que c'est que chaque être humain sur Terre ne doit pas oublier d'où il vient et les racines et la famille et les amis, je pense que c'est le plus important. Et si on peut en même temps aider les gens qui en ont besoin, les gens défavorisés,
les enfants malades, je pense que c'est plus important. Et nous, alhamdoulilah, avec la sélection, on fait avec Bougie, Majid Bougira, qui a son association, et il fait très bien les choses. Et nous, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Parce que voilà, on ne peut pas oublier les gens qui en ont besoin, et c'est dans notre devoir de les aider. Si on vous demande si vous allez prendre en charge à l'orphelin, est-ce que vous acceptez? Pourquoi? Mais franchement, on peut pas dire non. Voilà. Après, si voilà, demain, Majid, comme on est en contact, voilà, Majid m'appelle, me dit voilà, il faut telle chose pour telle personne. Et moi je suis le premier à donner ce qu'il faut donner pour aider, il n'y a vraiment aucun problème, et je continuerai à le faire. Voilà, après Bougie, je pense que, en parlant de Bougie, parce qu'on parle de lui, c'est, ouais, comme je dis, moi j'ai eu qu'un seul capitaine, et c'est lui. C'est vraiment un capitaine emblématique, c'est une personne qui est respectée, c'est pas pour rien. Moi c'est comme mon frère, mon grand frère, il a toujours été de bons conseils, et je l'écouterai toujours, parce que c'est quelqu'un d'humble, de sage, et qui oublie pas les siens. Et voilà, je pense que l'association qu'il a faite démontre la personne qu'il est réellement, en dehors du footballeur. Yassine, je vous donne le micro pour vous adresser au peuple algérien et aux téléspectateurs de l'EDF à quelques jours de l'Aïd, et bien sûr d'abord après le Fthor, et à quelques jours de l'Aïd, c'est-à-dire demain ou après-demain, on sera Inch'Allah. Un petit mot au peuple algérien. Aïd Koub Moubarak, premièrement à tous les Algériens. On est proche de cette fin du Ramadan qui est importante pour nous. Et voilà, leur souhaiter plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Voilà, qui continuent surtout à nous supporter comme ils le font. Je pense que, comme je l'ai dit, les meilleurs supporters au monde, c'est les nôtres, c'est les Algériens. Je pense que je l'avais dit en Espagne à un periodista, je donne espagnol, un journaliste qui m'avait demandé si les supporters espagnols de la Real étaient les numéro un. Pour moi, je leur ai dit que non, je peux pas mentir, les supporters numéro un, c'est les nôtres, c'est les Algériens. C'est eux qui nous poussent à faire de grandes choses sur le terrain, et voilà, on a tout le temps essayé de faire honneur à ce maillot et au pays, et Inch'Allah, ça continue, qu'ils soient derrière nous et qu'on vive de grands moments ensemble, Inch'Allah. واش راهي بحداك القبة واش روح الوليد فلان واش راهي بحداك القبة واش روح الوليد فلان قولي الوراني في غربة من وحش مشعلك نيران من وحش مشعلك نيران وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هتف ليك العنوان كلم للوطن الحبيب 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 كلم للوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان كلمي للمدني الو الو راه الوحش كتر عليا من بيلفور كبير الشان راه الوحش كتر عليا من بيلفور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية وحباب ناسي والجيران احبابي وناسي الجيران Ça a été un plaisir, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Sahara Aïdkoum, Yassine. Sahara Aïdkoum. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, au plaisir. Sahara Aïdkoum. À très bien, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Aïdkoum Moubarak. Merci beaucoup, vous aussi. Au plaisir. Sahara Aïdkoum. Merci. Ciao.